Est-ce que ça va? Allez, viens. Viens avec moi. Bonjour mon frère. Tu te souviens du gars qui a tué toute ma famille? Attends, qu'est-ce que tu crois? Ta famille était aussi la mienne, Robert. Comment tu veux que je l'oublie? Là, il est parti. Il revient à l'Elinacan aujourd'hui. Je vais le rencontrer. Je vais le regarder droit dans les yeux. Tu ne sais même pas de quoi il a l'air. Oui, mais je sais où il vit. Débarbouille-toi. Tiens, bonjour Lilith. Comment allez-vous, monsieur Akopian? Monsieur Akopian, c'est mon nom de travail. Pourquoi tu m'appelles comme ça, Lilith? Je te l'ai déjà dit, entre toi et moi, c'est Armen. C'est plus intime. Allez, rentre, il y a un cadeau pour toi à l'intérieur. Allons-y. Le chef a perdu la tête. Moi aussi, je perdrais la tête pour une nana comme ça. Suren ! Pourquoi tu l'as laissé entrer ? Écoute, il est prêt à faire n'importe quoi pour toi. Regarde cette magnifique table. Moi, je parie sur la mort de cet homme, et ça, c'est gratuit. Tu veux que je finisse ma vie à manger sur sa tombe ? Je te demande juste d'être un peu plus poli avec cet homme, Lilith. Il t'aime, tu sais. C'est pas réciproque. Et il travaille au cimetière.
J'ai envie de vivre. Pourquoi tu tiens absolument à ce que je me marie? Laisse-moi d'abord finir mes études. Mais tout ce que je veux, c'est que tu sois heureuse. Alors éloigne ce vieux schnock de ma vue, s'il te plaît. Eh ben, il va nous falloir une grue pour ça. Tiens. C'est quoi? Je veux juste le voir pour lui parler. Il faut que tu regardes la réalité en face cette fois. On l'a enfermé combien de temps, hein? 8 ans? Quand vous vous retrouverez face à face, j'imagine qu'il voudra te faire du mal. Bonne chance quand même, mon vieux. T'en as une, je les montre. T'as déjà vu Cobra? Je veux la même coupe que Sylvester Stallone dans le film. Ça fait déjà 3 souris, rien que ce matin. On devrait prendre un chat. Ou acheter un piège. C'est quoi tout ça? On peut savoir ce que t'as encore acheté? Quel grognant tu es. Ce n'est pas la fin du monde, à ce que je sache. Qui va manger toute cette viande, enfin? Arrête, on n'a plus rien à manger. Gaïen a téléphoné. Et elle va passer avec Varouche. Je ne veux pas que ce connard franchisse le seuil de cette maison tant que je suis en vie. Erem, c'est la seule fille que tu as, qu'est-ce que tu racontes? C'est justement pour ça. Ce crétin l'a engrossé avant même de l'épouser. C'est une honte. Souviens-toi, à l'époque, moi je t'ai fait la cour pendant 3 ans. Oui, c'était une autre époque. Les temps ont changé, justement. Arrête tes bêtises, rien n'a changé, voyons. Erem, tu t'es peut-être trompé en me choisissant. Gaïan ! Déroule le tapis rouge tant que tu y es. Bonjour, Gaïan. Bonjour, ma chérie. Oh, je suis si contente de te voir. Bonjour, ça va, Varouche ? Bonjour, madame. Je vous ai déjà dit que vous n'êtes pas les bienvenus dans cette maison tant que je vivrai. Je t'en prie, Erem, fais un effort. Non ! Allons-y, oui. Un jour, ton père finira par comprendre, et là, il nous pardonnera. En fait, il ignore combien je t'aime. Et toi, il faut que tu penses au bébé. Tu dois garder ton calme. Ah, Arsène, bonjour. Tiens. Merci. La perds pas. Salut. Bonjour, comment allez-vous? Allez vite, le docteur vous attend. Allez. Approchez, ma belle. C'est la viande la moins chère de la ville. D'accord. Alors dites, quel est le meilleur morceau? Tous les morceaux sont les meilleurs ici. Vous voulez celui-là? Maman, t'as vécu toute ta vie en Arménie et tu sais même pas choisir la viande au marché. Celui-là. C'est un sacré bonhomme. Celui-là, alors. Et très indépendant. Et tu n'es pas à l'école? Non, pas aujourd'hui. Papa revient vivre ici. Votre attention, messieurs, dames. Notre avion est sur le point de décoller.
je vous invite à redresser votre siège et attacher votre ceinture de sécurité durant le décollage. Veuillez aussi relever les volets des hublots, s'il vous plaît. Votre ceinture, s'il vous plaît. Pouvez-vous me donner votre tasse, monsieur? Merci. Quel grand pays. C'est la première fois que vous venez en Arménie? Toute ma vie est ici, à vrai dire. Ma femme et mes deux enfants sont là. Bonjour, monsieur. Abritez-vous! Allez vous abriter sous l'arche! Allez, vite! Allez sous l'arche, vite! Allez, vite! Courez, allez! Vous serez en sécurité là-bas! Allez, plus vite! Sous l'arche! Thank you.
reviens, ça va aller. Non, je reviens tout de suite. Non, Farouche, non. Je reviens. Non. Vania. Maman. Vania. Maman. Vania, tu es vivant. Maman. Vania. Tu es blessée. Tu vas bien. Tu es blessée. Tu es blessée. Non. Et toi? Est-ce que ça va, maman? Attends. Maman, ça va? T'es sûre? Maman, tu es blessée? Viens avec moi. Viens avec maman, moi. Tu saignes, on dirait. C'est juste une égratignure. Vania, file à la maison. Tu entends, appelle. Va chercher. Va chercher Katia, d'accord? Et dis-lui de venir, tu entends? File. Allez. File. Vas-y, vas-y. Vite, ça va aller. Attendez, et vous? Aidez-moi!
Vous m'entendez? J'ai besoin de votre aide. Venez. Mon père est coincé sous un bloc de pierre. Il est vivant, il faut faire quelque chose. Venez là, aidez-moi à soulever ce bloc, allez. Papa, j'ai ramené du renfort. Allez, soulevez. Tiens bon, papa, on y est presque. Laissez-moi essayer. À ton corps, on va te sortir de là. Allez. Ça va? Dites. Dites, vous êtes blessé? Vous tenez sur vos jambes? On va vous aider. Allez, allons-y. Allez, venez. Comme s'il était vivant. Allez, encore un effort. Il a l'air vivant. Je me souviens. Un jour, à la fête de l'école, j'ai fait tomber l'estrade et le micro. Tout le monde a rigolé. Ma tante, à l'époque, elle disait tout le temps qu'il fallait m'envoyer à l'école de cirque de Moscou. De mon père a dit. Écoute, Micha, dans la vie, un homme doit faire un métier d'homme. Alors depuis, je conduis. Et voilà. C'est tout ce que je sais faire. Ça va pas la tête? Tu ne vois pas ce qui se passe? Et qu'est-ce qui se passe? C'était mon anniversaire hier.
Il y avait des invités partout chez moi. C'était un grand jour, alors on a mangé un agneau, un gros. Et on a mangé du cash qui avait mijoté toute la nuit. Et les invités, ils vont revenir. On a un autre anniversaire. On est entouré de morts. De quels invités tu parles? De quels invités? Mes invités. Mes invités à moi. Ils sont là, dans le coffre de ma voiture. Et tu n'as pas à décider si je peux plaisanter ou être content. Alors lâche-moi, tu froisses ma chemise. On a du pain sur la planche, allez. Allons-y. Allons-y. C'est par là. Montez. Tu sais où se trouve l'hôpital ? Je le trouverai. Suren ? Suren ! Je suis là. Écoutez, je reviens tout de suite. Attendez, je vais aller chercher de l'aide. Arrêtez-vous! Stop! Mais qu'est-ce que tu fous? Devenu dingue ou quoi? J'ai besoin de ton aide là-bas. On a tous besoin d'aide. J'ai des personnes à ramener, moi. Alors laisse-moi passer. Laisse-moi passer. Casse-toi, bordel. Qu'est-ce qui vous arrive? Il y a une femme sous les décombres et il refuse d'aider. J'ai un camion plein de blessés. Faut les transporter d'urgence à l'hôpital. D'accord, écoutez. Voilà ce qu'on va faire. Allons d'abord à l'hôpital pour décharger les blessés. On reviendra déblayer les décombres. On aura besoin de votre véhicule. Tout le monde en a besoin, faut croire. Et vous, vous êtes qui? Qui vous a dit de commander? Vous savez quoi faire? Et vous? Alors, on va faire ce que je dis. Allons-y. Hé, c'est moi qui décide ici. C'est moi qui conduis. Montez à l'arrière. Il y a une femme qui a besoin d'aide là-dessous. Ils ont tous besoin d'aide.
Mon pote ? Hé, mon pote, t'aurais pas une cigarette ? Merci. Tu viens d'où ? D'Ashtarak, pas très loin. On a appris ça à la radio. On a chargé la voiture de pain et on est parti. Et toi ? Moi ? Je suis d'Ervan. Est-ce que t'as de la famille là-bas ? Non. Merci, mon pote. Aide-moi. Aïe. Viens. On y va. On va la retrouver. Vous ne pouvez plus l'aider maintenant. Il a sauvé votre fils. Je n'oublierai jamais ce qu'il a fait. Mais votre futur bébé ne voudrait pas que sa mère reste assise sur des briques froides.
Il fait froid, il nous faut du bois pour tenir cette nuit. Vous vous en chargez? J'ai vu un tonneau là-bas, je vais le casser. Mais vous aviez promis de m'aider. Il y a une petite pelle là, juste à droite. Passe-la moi, tu veux? Je vais aller couper des branches. Ta pelle, elle devra attendre. Attrape ça, s'il te plaît. Allez, attrape ça! Suren, c'est toi? Je ne suis pas Suren. Où est Suren? Comment vous vous appelez? Lilith. Et vous, qui êtes-vous? Celui qui va essayer de vous aider, Lilith. Remonte dans le camion. Toi, retire le bloc de pierre, je vais faire en sorte qu'il ne glisse pas. Que du bonheur, cette affaire. J'ai deux chefs maintenant. Manquez plus que ça, tiens. Coupez le moteur. Tout de suite. Mais il y a une femme là-dessous. Et vous m'aviez promis de la sortir de là. J'ai dit qu'on reviendrait pour déblayer les décombres. Et puis, il va bientôt faire nuit. Sans électricité, on ne pourra rien faire. On va mourir de froid. Qu'est-ce que vous vous imaginez? Alors, allez chercher du bois. De question, on va la sortir d'ici d'abord. Cette femme est en vie, c'est une question de minutes, putain. Vous allez la tuer si vous faites ça. Ouvrez donc les yeux. Elle est enterrée sous un bloc comme celui-là. Si vous en retirez un, elle sera écrasée par les deux autres. Il vous faudrait deux grues pour la sortir de ces décombres. Attendez, elle va mourir de froid. Avant qu'une grue n'arrive. Je n'ai aucune envie de la tuer, et je vous interdis de le faire. Alors je déplacerai les débris moi-même. Non, écoutez-le, Robert. Il sait de quoi il parle. Monsieur le lieutenant, tiens donc. Oui, un lieutenant. Immortel, on dirait. Je ne suis pas revenu seul. Regardez, j'ai amené un peu d'aide. Parfait, suivez-moi. Et comment va votre mère? Vous l'avez trouvée? Elle est saine et sauve. Elle est vivante. Ainsi que mon père. Et sans compter mes sœurs. Et moi, bien sûr. C'est un vrai miracle. Ces gens sont morts. Oui, mon fils. Toi aussi, tu vas mourir? Non, chérie. Je vivrai tant que tu m'aimeras. Maman vivra toujours. Elle vivra juste là, dans ton cœur. Juste ici, tu entends? Maman, je vais t'aimer très fort, tu vas voir. Je ne veux pas que tu meures. Thank you.
Ça va vous réchauffer un peu. Je vous remercie. Je vais vous sortir de là. Lieutenant, je dois faire l'enregistrement avec vous à la gare. Bien, si vous le dites. Mais regardez autour de vous. Pas de gare pour faire l'enregistrement. Parlez. Quand vous en construirez une nouvelle, faites-y l'enregistrement. Monsieur l'architecte. Qui ? Moi, architecte. Ça fait 8 ans que je construis des hangars et des toilettes dans la cour de la prison d'État. Vous avez retrouvé vos proches. Vous savez à quel point ils vous attendaient. Ils ont compté les jours. Jusqu'à votre retour. Moi aussi, je les ai comptés. 8 ans durant, et maintenant je vais déblayer tout ça brique par brique. Jusqu'à ce que je finisse par les retrouver. Il faut que j'y aille. Le dîner est servi. C'était mon anniversaire hier. Ouais. Et voilà. C'est un régal, vous verrez. Tiens, on a fait du cash, mais on l'a même pas encore goûté. Regardez-nous. On a du cash pour dîner. Et toi, mon pote, vas-y, prends-en, mange. Je peux rien avaler. Mon frère est mort ce matin. Il était chez lui quand c'est arrivé. Il a eu peur. Il est sorti en courant. Il a traversé la rue et il s'est caché dans une autre maison. Et elle s'est écroulée. La nôtre est toujours debout, intacte. Et l'autre est détruite. La moitié de la ville est détruite. Et Spitak aussi. C'est Nick, viens. Parfait. T'es con ou quoi? Tu ne vas quand même pas emporter cette radiocassette avec toi? Tu rigoles ou quoi? Franchement, qui va s'en rendre compte? Et c'est un modèle importé en plus, ça coûte une fortune. On ne prend que de l'argent et de l'or. Tu comprends? Allons-y. J'ai dit allons-y. Il y a quelqu'un qui gémit là-bas. Qu'il aille en enfer. Sortons d'ici, il y a des répliques. Ça suffit. On a presque plus d'alcool. Va par là et cherche de la vodka. Docteur, les chirurgiens sont là. Quel géorgien ? Les médecins de Géorgie, ils sont venus nous aider. Oui, ils ont apporté des médicaments et tout ce qu'il faut. Parfait. Vous devriez vous reposer. Thank you.
tard. Elle vient de perdre les os. J'arrive. Ça tombe à pic. Même si je suis né le soir du nouvel an, j'ai dérangé personne, moi. Doucement, les gars. Forcez pas trop, on a encore beaucoup à faire. Ah, ça suffit, je fais une pause. Ma fille avait exactement la même. Cette flûte n'est pas une fille. Vous voyez les marques dedans? C'est les gars qui mordent aussi fort que ça.
Et alors, mon grand, t'en veux un peu plus? Non, c'est pour maman. Il s'occupe de sa mère, le pauvre. Attends, je vais t'aider. Robert, s'il te plaît. Tu sais où est Suren? J'en sais rien. C'est Suren. C'est votre mari? Non, c'est mon frère. Maman est morte à ma naissance. Et mon papa, quand je venais d'avoir 14 ans. Suren s'est occupé de moi pendant tout ce temps. Notre histoire se ressemble. J'ai pas eu vraiment d'enfance non plus. J'avais 12 ans quand mes parents sont morts dans un accident de voiture et c'est mon frère qui s'est occupé de moi depuis. Enfin, c'est pas mon frère en fait, c'est un cousin éloigné. Continue à parler. Parle-moi, s'il te plaît. Fais attention, laisse-moi faire. Non, ça va aller. Tu es très indépendante, tu sais. Où est ta maman? On est presque arrivés. Maman, voilà, mange. Maman? Maman, réponds. Maman, qu'est-ce qui t'arrive? Maman! Maman dort. Maman, allez! Ne la réveille maman, pas. Maman, allez! Allons-y. Arrête! Viens. Lâche-moi! Maman, réveille-toi maintenant! Vous êtes RM? Oui, que voulez-vous? Va vite te réchauffer là-bas. Je suis très contente pour vous, RM. Vous avez perdu la tête, ma pauvre. De quoi êtes-vous contente? Votre fille est en vie. Et vous êtes grand-père maintenant, vous savez. Félicitations! Pourquoi vous haussez la voix? Je vous en prie, dépêchez-vous. On vous attend à l'hôpital. Ne me dites pas quoi faire. Ce gamin a des parents, non? Ou est-ce que son foutu père a déjà pris la fuite? Qu'est-ce que vous voulez dire, au juste? Je savais que ça finirait comme ça, oui. Cet enfant est sûrement maudit. Son père est un bon à rien. Et sa mère une aguicheuse. Votre fille est merveilleuse, que dites-vous? Et son mari est un vrai héros. Il a sauvé mon fils, mon Arsène. Et pour ça, il a donné sa vie. Je serai reconnaissante jusqu'à la fin de mes jours d'avoir élevé une fille si merveilleuse. Et je vais embrasser vos mains. Pour la mémoire de son mari. Ressaisissez-vous enfin. Merci à vous, RM. Arsène, on y va, mon chéri. Allons-y, mon cœur. Comment ça va? Tenez, c'est pour vous, prenez. De la part de mon père. Des sandwichs. Bon appétit. C'est très gentil de votre part. Allez-y. Merci beaucoup. C'est Nick? C'est Nick! C'est Nick! Robert, c'est Nick. Comment va ta famille? Ça peut aller. Et toi? Écoute, est-ce que tu peux ramener du matériel? J'ai besoin d'une grue, est-ce que tu peux nous aider? Bien sûr, mon frère, oui. Viens avec nous et tu auras tout ce que tu veux.
Non, c'est Nick. Je ne peux pas, non. Salut. Il va nous balancer, c'est Nick. Il dira rien. Tu sais, Robert, c'est comme un frère. Qu'est-ce que tu me racontes ? C'est mon cousin. Et quand ses parents sont morts, c'est mon père qui l'a pris en charge. Je le connais. Il ne dira rien. Lapin ! Lapin ! Didier est dresseur de chiens ? Didier est un secouriste, Vania. Lui et Gilles sont venus de France pour nous aider. Ils recherchent les gens sous les décombres. Toi aussi, t'es secouriste ? Moi, je suis interprète. Merci. T'as vu ? Il est bien dressé, hein ? Merci, Didier. Cet enfant a-t-il de la famille ? Il était dans la rue avec sa mère. La mère est décédée. Il le sait ? Non. Dis, Marina, où est ma maman ? Vania, on va aller voir d'autres petites boules de poils maintenant. Didier va nous les montrer. Maman viendra aussi ? Oui, elle viendra. Elle viendra plus tard. Ah, allez, allez-y. Allez, Encore. Allez. Faites attention. Faites gaffe. Tenez-le. Tenez-le. Allez, encore. C'est bon. Il y en a d'autres. Ils sont vivants ? Je vais vérifier. T'as trouvé quoi ? Hein ? Tu vois, toute ma vie, j'ai cru être abandonné. Allez, plus fort ! Mais maintenant, j'ai l'impression d'être chanceux. Je suis seul, donc je n'ai personne à enterrer. Il y en a d'autres ici !
C'est ma famille. Ma femme et mes deux enfants. Une fille et un fils. Je pensais être à la hauteur. Et je ne peux pas. Je ne peux pas les ressusciter. Non. Votre fils est vivant. Votre femme aussi. Ils ont dû s'en sortir. Quelqu'un les aurait retrouvés, vous savez. Je suis sûr qu'ils sont sains et saufs. Il ne faut pas perdre espoir. Et continuer à les chercher. Il faut y croire. Oui, c'est vrai. Je dois les retrouver. Je dois continuer. Je suis venu pour te dire que je suis coupable, Farouche, et je te demande pardon. Je reviendrai. C'est promis, je reviendrai. Je retirerai toutes ces briques. Je vais te sortir de là, tu verras. Et je vais t'enterrer dignement. Pour que ton fils puisse voir ta tombe, Farouche. Pour qu'il y dépose ses larmes. Maintenant, j'ai compris. J'ai tout compris cette fois, oh mon Dieu. Pourquoi, mon Dieu ? Tes punitions doivent-elles toujours être aussi douloureuses? Pourquoi tant de douleur? Je te demande pardon, ma fille. Rentrons à la maison. Thank you.
Lilith. Que feriez-vous si... si vous rencontriez la personne qui a tué vos parents? La personne qui vous a tout pris? La mort de mon père est arrivée d'un jour à l'autre. Quant à celle de ma mère, j'en suis la seule et unique responsable. Ce sont des choses qui arrivent. On cherche les coupables. Sauf que personne ne l'est. Je suis encore vivante. Je ne veux pas mourir lentement. Robert, aide-moi. Je vais vous aider, Lilith. Non, aide-moi à mourir. Arrêtez de dire ça. Vous allez survivre. Laisse-moi mourir. Je ne le permettrai pas, non. Je veux vous voir en vie, vous entendez? Moi aussi, je veux te voir. Mais tu n'existes pas. Tu es seulement une pourtant voix. Pourtant, c'est ma voix, Lilith. Je vais tout faire pour vous sortir de là. Tu n'es pas là. Il est là. Alors, vous êtes toujours en vie? Tenez bon, vous n'en avez plus pour longtemps. On va vous sortir de là, c'est promis. Vous allez sortir. Merci. Bingo! C'est une bijouterie! Mais pourquoi tu cries? Le flic est dans le coin. Y a personne ici, on tombe à pic. J'ai dit plus tard. On n'a que 5 minutes. Toi, surveille les environs. Lieutenant, c'est vous? J'arrive. Je vous ai reconnu. Ah, c'est toi. J'ai tout vu. Un homme a acheté une pierre dans la tête. Ça va, j'ai compris. Et ensuite, j'ai tout vu. Tout le monde au sol! Les mains derrière la tête! Du calme, mon ami. Au sol! Allez! J'ai dit au sol! Qu'est-ce que vous... T'es malade ou quoi? Maintenant, il faut qu'on fuit la ville. On trouvera une voiture, on se séparera. Il y a des contrôles partout, jamais ils nous laisseront circuler, voyons. Ça dépend de la voiture qu'on trouvera. On devrait aller chercher le camion de ton frère. Maintenant, c'est moi qui décide, on est d'accord? Fermez-la si vous ne voulez pas finir comme le flic. Stop! Stop!
attendez, c'est pas trop tôt. Vous venez d'où? De Rostov. On parle de vous, la radio. J'ai décidé de venir vous aider. Quoi, de Rostov? Ouais, pourquoi? J'ai foncé ici. Les gens me donnaient de l'essence sur chemin. Quand je leur disais que je venais vous aider. On est là pour discuter ou pour travailler, alors? Au boulot, suivez-moi, venez, c'est par là. Bonjour. Bonjour. Et merci. Écoutez, il y a une femme sous ces débris. Fixez-vous bien au sol et ensuite tirez le premier bloc vers le haut quand je vous le dirai. Et ça suffira une seule crue? On a aussi un camion. Et si Dieu est avec nous, le nœud du câble maintiendra l'autre bloc. Et si le bloc tombe? Si par malheur il tombe, elle mourra. Il faut notre grue alors. On n'a plus le temps. Les nuits deviennent froides. Bon, alors il est temps de s'y mettre. Il est possible que tout finisse par s'écrouler. Mais je pense que c'est la seule solution. Alors allons-y. Au travail. Il y a une inscription derrière que je n'arrive pas à lire. C'est une adresse. Un certain Constantin Berejnoï les cherche. Merci, Didier. Allez, allez, allez! Robert, j'ai peur. Ça ira, je suis là. Quand vous verrez la lumière, rampez vite jusqu'à l'ouverture. Vas-y, doucement, allez, allez! Doucement, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Tirez maintenant, tirez! Sors de là. Je t'ai dit de sortir de là. Je peux pas relâcher la pédale. Avec un trou dans la cervelle, t'y arriveras. Arrête! C'est Nick, dis-lui de nous laisser. Donne-nous le camion et on s'en ira. Je te le promets. Il y a une femme sous ce bloc de pierre. Et si on s'en va... Ça sera fini pour elle. Ça suffit. Ce n'est pas Nick qui décide ici. Éloignez-vous du camion! Et alors? Tu vas me tirer dessus? Tu l'as sorti? Alors tire. Ça va? Oui, ça va. On doit continuer. On y va. Allez, se lève! Allez! Lilith, il faut ramper maintenant! Je peux pas, mon pied est coincé! Mon pied, Robert! Ah.
Arrête de la fixer, ce n'est pas poli. Je ne la fixe pas. Je l'admire. Rob. On a bien fait de prendre le risque. Je sais qui tu es. Retrouve ma famille. Vous voulez une tasse de thé ? La nuit va être froide. Pardon, je cherche Constantin Berejnoï. Vous savez où il se trouve, peut-être ? Je n'aurais jamais cru que ça pouvait être aussi effrayant. Je croyais que seule la guerre pouvait être aussi horrible. C'est du passé, maintenant. Non, Robert. Maintenant, il faut qu'on vive avec ce cauchemar pour toujours. Robert. Tu es Vania Berezhnoï? Oui. Qui êtes-vous? Je suis un proche. Monsieur Akopian ! Monsieur Akopian ! Armen ! Je tenais à vous remercier pour le cadeau. Votre table m'a sauvé la vie. Ashken! Ashken! Lève-toi, ma chérie. Lève-toi. Lève-toi doucement. Attention. Ashken, tu es... La dernière fois que j'ai dansé comme ça, c'était à notre mariage, ma petite chérie. Est-ce que tu te souviens ?
Qu'allons-nous faire maintenant? On va bien vivre. Nous sommes maudits. La solitude est une malédiction. Mais on est ensemble, ma chérie. Les gens viennent des quatre coins du monde pour nous aider. On vit depuis 3000 ans. Oui. Et il nous reste encore beaucoup à vivre, tu sais. Il nous reste tant à faire. Oui. 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 Oh mon Dieu. Oh Seigneur, quelle bénédiction! Thank you.
Hjelp que je voel mij haar kaarten perken. Art na nu me nor iets daar erken. Hoog in de hand nu kan ik je schenken. Vond ze maar aan het kees. Abre nu in Spanet, sierra, sierra.